est-ce que tu nous dis où on est? La fatigue me gagne en ce moment, donc je vais faire une petite sieste à l'hôtel. Donc, hôtel du bus bleu, comme il est appelé. On ne sait pas pourquoi encore. Hein. Voilà, donc abandonné depuis peut-être 15 ans. Avec beaucoup de circulation sur un axe fréquenté. Ça devait marcher, mais c'est arrêté. Bon, ben on est parti pour la visite. Sur cet hôtel? Oui et non. Donc, d'après ce qu'on nous a dit, c'est une entreprise un peu familiale. On y mangeait vachement bien, mais ça n'a pas trop marché, malheureusement pour eux. Ce qui est impressionnant, c'est que il y a des affaires personnelles partout. Donc, je pense pas que ce soit les vacanciers qui soient partis du jour au lendemain comme ça, en laissant leurs affaires. Et dernier papier en date que j'ai pu trouver, 2002. Donc voilà. Mais vu l'état, je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Donc là, on a fini avec le bord, on va attaquer les chambres. Allez. Ce qui est bizarre dans cet hôtel, c'est le contraste entre certaines chambres. Donc ici, elle est à peu près présentable. Et d'autres, c'est, excusez-moi l'expression, le bordel, quoi. Il y en a partout, tout est retourné. Bon, encore une fois, pas mal. On va voir ce qu'on peut trouver d'extravagant là-dedans. Allez, je continue. Assez sympa, j'aime vraiment cette région. Hein. Sinon, bah, ça reste bien dans l'ensemble, hein. C'est vraiment dingue, mais il y a encore quasi tout. Quoi. Voilà. Et comment tu expliques cela, justement? J'en sais rien, c'est la magie. La magie ou les gens ont plus de respect envers les... Peut-être plus de respect ou... Ils s'en fichent un peu de venir là. Quoi. Voilà. Bon, ben, la suite pour un prochain épisode, et salut.